Allez là. La cigarette sur le bout des lèvres, mes deux mots sont multipliés, je plane et me crois dans un rêve. Allez, arrête. Oh putain. C'était quoi ça? Kevin! Qu'est-ce que tu fais? Putain, mais qu'est-ce que tu fous? Rends-moi mon tel. Recommence pas à me faire chier, s'il te plaît. Kevin, juste rends-moi mon tel. Putain, vous m'avez fait peur. Ça va, Maëlle? Mais t'étais pas censé rentrer demain? Alors, Kevin, quoi de neuf? Pas grand-chose. J'ai changé mes heures de garde à l'hôpital. Merci, Nicolas, pour ces propos. Et toi, Maëlle, tout va bien? Non. Tu conçois encore plus dans la merde? Fous de ma gueule, j'espère. Je te rappelle que c'est ta faute si on est dans cette merde. On aurait dû aller se dénoncer. Regarde-moi. Tout ce que j'ai fait là, j'ai fait pour nous sauver, tous les deux. Mais c'est une blague. Mais tu sais qu'elle était peut-être vivante. Mais je l'ai fait pour toi. C'est pour toi, je l'ai fait. Mais non, mais n'importe quoi. C'est pas pour moi, tu sais très bien, c'est toujours pour toi, pour toi, pour toi. Je te rappelle que c'était toi au volant. Ça va mieux? Oui, maman, elle va mieux. Tu restes dormir ici, ça? Non, merci. Si, elle va rester dormir. Il y a plus de train en plus. Tant mieux, bah, ça me rassure. Je veux pas aller en prison, Maëlle. Tu comprends? Dis-moi que tu comprends. Kevin! On se tire. Quoi? On se tire.
personne nous a vus, on a encore une chance de partir. Mais de quelle chance tu parles? Elle est peut-être encore en vie. Elle est morte. T'es complètement malade. Mais je viens de te dire qu'elle est morte, allez. Allô? Oui, excusez-moi, je vous appelle au sujet de la petite Elisa. Vous savez, la jeune fille qui a dit... Écoutez, on l'a retrouvée. Un jeune homme l'a déposée devant l'hôpital il y a quelques heures. Madame? Madame?